D'être en la présence de Dieu et aussi parce que cette journée est consacrée aux enfants. Ça nous fait penser que nous étions des enfants. N'est-ce pas vrai, chers frères et sœurs? Parce que si nous n'étions pas d'enfants, aujourd'hui, nous trouverons cette journée un petit peu terne. Mais heureusement, Dieu a mis un temps pour chaque chose. Et nous remercions sincèrement le département de la section enfantine qui a fait violence avec la direction de l'église pour pouvoir trouver ce trou vite pour mettre ce sabbat pour les enfants. Nous disons merci à Dieu ainsi qu'au département de la section enfantine. Nous avons vu ce matin un texte qui nous dit quelque chose de très important, chers frères et sœurs. Le texte nous invite à prendre en responsabilité ce que nous avons demandé à Dieu et qu'il nous l'a donné. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des enfants. Vrai ou faux, chers frères et sœurs? Il y en a qui ont dépensé de l'argent pour acheter pas mal de choses pour arriver à avoir un enfant, mais cela ne les a pas été facile. Il y en a qui ont adopté, il y en a qui ont gardé leur mutisme, qui acceptent de vivre selon ce que Dieu les a accordé de ne pas en avoir. Ce matin, nous avons trouvé dans Proverbe 22 et le verset 6 un texte qui nous recommande quelque chose de très important. Instruis l'enfant selon la voie qu'il pourra suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Ou pas. Eh bien, chers frères et sœurs, j'ai fait un peu de recul dans trois textes, trois Bibles différentes, trois versions différentes. Et j'ai trouvé dans la version 8 secondes révisée ainsi que de Thompson. Il dit, oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et la version top nous dit, donne de bonnes habitudes aux enfants, aux jeunes, en début de sa carrière. Même devenu vieux, il ne s'en départira point. Et pour l'autre version de Jérusalem, il nous dit, instruis le jeune homme selon ses dispositions. Devenu vieux,
il ne s'en détournera pas. Que veut enseigner le texte de différentes versions de la Bible? Quel message a-t-il pour nous, parents? Le texte dit que si nous faisons notre part comme parents, le reste ne dépend pas de nous. Il y en a une cause à effet, chers frères et sœurs, et c'est une promesse conditionnelle. Notre devoir consiste à semer la bonne graine et les résultats seront durables et irrévocables. Ce matin, nous allons analyser pour pouvoir retirer les leçons qu'il contient pour notre croissance spirituelle et pour donner une sorte de guide à l'enfant que nous avons à notre responsabilité. Baissons la tête pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, tu nous as confié de grands biens. Nous sommes conscients parce que nous vivons dans un monde où le défi est à nous d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il n'en se détournera. Père, nous sommes faibles pour ce travail, mais avec toi, rien n'est impossible. Donne-nous, Seigneur, de prendre en main les responsabilités que tu nous as confiées, afin que nous puissions à même de vivre et de travailler pour toi, afin qu'au grand jour de ton apparition, nous ne puissions pas à nous noircir ou à nous rougir devant ta face, mais à nous présenter devant toi avec les enfants que tu nous as fait. Que cela pour ta gloire et pour ton honneur, nous t'en prions, mon Dieu. Chers frères et sœurs, qu'entendons-nous par instruction? Tout d'abord, étant donné que chaque version dit quelque chose à propos du début du passage, essayons de comprendre ce que veut dire instruction. Selon différentes versions, instruire signifie donner de bonnes habitudes, donner de bons départs, donner des valeurs morales, donner une bonne orientation à l'enfant. Initier correctement. Et cela, le petit Robert dit, instruire, c'est mettre en possession de connaissances nouvelles. C'est éduquer, enseigner, former, initier. Donc, quand le verset dit « instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre », cela signifie que les parents ont pour devoir d'orienter l'enfant en lui donnant des bonnes habitudes de vie, des bonnes valeurs, de bonnes valeurs, des bonnes valeurs morales, de bons, et le formater comme on formate un ordinateur. Le mettre dans un moule, dans une forme afin qu'il devienne une personne ou des enfants ou des personnes responsables dans la vie de chaque jour. Autant dire que quand on donne de bonnes habitudes à l'enfant pendant son enfance, dès son jeune âge, quand il deviendra grand, il y aura la difficulté à s'en départir. C'est dans cette perspective qu'il est dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Maintenant, revenons sur ce texte. Il dit « instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Cela sous-entend qu'il y a une voie à enseigner à l'enfant. Tâchons de comprendre cette voie qu'on nous parle, chers frères et sœurs. Une question. Qu'est-ce que cela veut dire?
chers frères et sœurs, quand on nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre », ce n'est pas nécessaire de chercher pendant longtemps pour comprendre que le texte veut faire allusion à la voie de Dieu. La servante du Seigneur dans le livre « Éducation » à la page 12 nous dit « La véritable éducation consiste à apprendre à la jeunesse à penser par elle-même et à ne pas réfléchir simplement quand les autres réfléchissent. Au lieu de donner leurs études à ce qu'on dit ou écrit les hommes, les étudiants devraient être dirigés aux sources même de la vérité, la nature et la révélation. » Fin de citation. Donc, il s'agit de la voix de Dieu, de la voix de la sagesse. Dans Proverbe 8, verset 32, il dit « Heureux ceux qui gardent mes voies. » Et plus loin, il affirme, au verset 6 de Proverbe 9, « Abandonnez la niaiserie, la stupidité, et vous vivrez. Puis marchez dans la voie de l'intelligence. » Chers frères et sœurs, chers parents, notre Père Céleste n'a pas oublié les enfants. Dans le livre d'éducation à la page 188 et 189, la servante du Seigneur nous dit « Il y a dans ce que les hommes ont écrit quelque chose qui est plus d'empire sur le cœur et qui éveille mieux l'intérêt des petits que l'histoire de la Bible, que les histoires de la Bible. » Dans ces œuvres récits, les grands principes de la loi de Dieu sont exposés par clarté. Ainsi, par les illustrations parfaites adaptées à la compréhension des enfants, les parents et les maîtres d'école peuvent commencer à très tôt à mettre en pratique l'ordre du Seigneur concernant ses préceptes. Et nous pouvons regarder dans Deutéronome 6, verset 7, où il est dit « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en placeras quand tu seras, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » Ça veut dire « en cul de famille. » Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. La Bible nous fait comprendre que l'éducation de la parole de Dieu doit être attachée à l'enfant dès son jeune âge. Et partout où nous passons, nous irons, nous devrions en faire connaissance la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel à nos enfants. La Bible affirme clairement que la sainte parole de Dieu doit être notre boussole, notre guide, notre fondement. Toute éducation doit passer par la parole de Dieu. Dans Psaume 105, verset 102, David dit « Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. » Oui, chers frères et sœurs, chers parents, chers enfants, c'est l'Éternel qui instruit. Et dans Psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cela étant dit, nous allons voir le contenu qu'il faut enseigner aux enfants. Oui, chers frères et sœurs, quel genre de contenu nous devrions enseigner à nos enfants?
Il faut enseigner aux enfants le respect. Il est triste de voir des jeunes qui ne respectent pas leurs parents, leurs enseignants, qui sont violents dans leur langage. Ils profèrent n'importe quel propos. Ils sacrent comme bon leur semble. La chasteté n'est plus là à la mode. Le jeune âgé de 14 ans, il veut aller coucher chez son ami. Il veut faire l'expérience de la fornication sans se soucier des conséquences que cela entraîne. C'est une honte pour la jeune adolescente. C'est une honte pour le jeune adolescent de dire à ses amis qu'il est vierge ou qu'elle est vierge et qu'elle n'a jamais encore connu ou connaît ou souffert le sexe ou entré en relation sexuelle. Il faut apprendre à l'enfant l'honnêteté, chers parents. Aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles plusieurs jeunes sont en prison, c'est à cause du vol ou à la drogue. Il y a cela 3 ans, une jeune faisant stage dans un magasin, un après-midi, avant de partir, elle s'est laissée tenter. Elle a pris un corsage, elle l'a mis dans ses vêtements, elle est partie avec. Pensant que personne ne la voit, mais il y avait une caméra qui permet à l'employeur de voir ce qui se passe dans son magasin. L'élève n'était pas au courant de cela. C'est ainsi qu'elle a été vue en train de mettre l'article dans ses vêtements. Elle ne pouvait pas le nier, car l'image de la caméra a témoigné cela. Quelle honte pour elle. Elle a été renvoyée et ne pouvait plus continuer son stage. Quel malheur, quel déshonneur pour cette jeune stagiaire. Chers frères et sœurs, chers parents, la parole de Dieu nous dit « Tu ne voleras point ». Si nous n'avons pas inculqué à nos enfants, dès son jeune âge, quand il se trouve dans la rue, dans un lieu où la tentation est forte pour qu'il puisse prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, il ne pensera pas que papa ou maman avait fait un culte avec lui pour lui faire savoir que le vol, c'est malhonnête et c'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Dans le livre « Guide pratique d'éducation » de Maurice Thiesche, à la page 264, il dit « L'enfant vole pour satisfaire ce besoin énorme qu'il ressent de s'approcher de tout, de s'identifier à tout, de connaître tout. » C'est ce qu'on appelle son instinct de captation. Il a envie de chocolat. Il a envie de sucrerie. Il a envie de crayon. Surtout s'il est un garçon, de ruban, d'une petite bague. Si c'est une fille, plus tard, c'est plutôt de l'argent qu'il vole de préférence. Il vole ses parents. Il vole ses amis. Il déplace les affaires pour qu'il puisse les mettre à son disposition. Oh, chers parents,
si nous ne faisons pas notre travail auprès de nos enfants qui grandissent, nous allons avoir honte à demain quand le moment vient où l'enfant doit payer pour ses inconséquences. Tout cela manque de grandeur et de beauté. Il faudra réprimer le plus tôt possible ces tendances alors qu'elles ne sont pas encore que velléités. Il faut enseigner à l'enfant l'autonomie, chers frères et sœurs. La plupart des enfants ne parviennent pas à terminer leur primaire, leur études secondaires. C'est parce qu'ils ne sont pas autonomes. Ils ne parviennent pas à gérer leur vie. On ne peut pas confier de grandes choses à ses enfants. Il faut apprendre à l'enfant la modération dans le manger. Certains parents ne contrôlent pas l'appétit de leurs enfants. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent sous ses yeux. En conséquence, l'enfant devient obèse. L'enfant ramasse des mauvaises habitudes. C'est aux parents qu'il incombe la responsabilité de veiller sur la nourriture de ses enfants. La gourmandise est habituellement considérée comme un péché mignon. Le mensonge, le vol nous sont odieux. Nous sourions au contraire avec l'indulgence aux ceux qui aiment les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de table, peut-être nous reconnaissons-nous en eux. Nous nous disons aussi qu'après tout, ceux qui abusent des bonnes choses ne font de mal qu'à eux-mêmes. Cependant, la théologie catholique classe la gourmandise parmi les péchés capitaux. Les médecins savent quel mal l'homme se fait lorsqu'il ne discipline pas son appétit. Et le bon sens populaire a trouvé cet aphorisme frappant. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Il faut apprendre à l'enfant à ne pas être jaloux. En effet, la nature même de l'enfant l'oblige à recevoir beaucoup et à donner peu. Il a tendance à désirer les affaires des autres, mais parfois il faut chercher à trouver la cause qui rend l'enfant jaloux. Dans son environnement, est-ce ses parents qui l'incitent à être comme ça? Louis Tiech nous dit: la cause de la jalousie doit être recherchée le plus souvent dans le comportement même des parents et des éducateurs envers les frères et sœurs. Elle peut naître à propos de remarques maladroites telles que celle-ci: ton frère est plus sage que toi. Ta sœur a obtenu de meilleures notes que toi à l'école. Tu devrais avoir honte de ne pas être plus poli que ton frère. Ce sont des propos que les parents ne devraient jamais prononcer à son enfant. En rabaissant l'un, en élevant l'autre, vous créez chez l'enfant l'estime, vous rabaissez l'estime de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandissent avec et qu'ils savent qu'il ne voit rien des autres. Et il entend ça souvent dans son subconscient. Donc, tout cela constitue des remarques qui font naître chez l'enfant la jalousie et rabaisse son estime. Il faut enseigner la patience à l'enfant, l'amabilité, l'humilité, la politesse
la cohérence dans les actions et la pensée, le service, l'amour du prochain, le pardon, la fermeté, la foi, l'espérance et la charité. Chers frères et sœurs, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nos parents ont été sévères avec nous, nous ont montré les bonnes choses de la vie et jusqu'à ce que nous avons l'occasion d'avoir des enfants. Il faut penser au principe divin qui nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, il n'en se détournera. » Il faut donc apprendre très tôt aux enfants, d'une manière simple et pratique, les rudiments de la physiologie et de l'hygiène. Ce travail doit être commencé à la maison par la mère et le père et il doit être poursuivi fidèlement à l'école. Avant de sortir le matin, les enfants doivent se laver. On ne se permet pas de faire l'enfant mettre ses habits, partir pour l'école sans se laver. Si je vous raconte une histoire malhonnête qui est arrivée dans une école, je préfère le passé. Oui, le verset nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Mais la traduction œcuménique de la Bible nous dit « Oriente le jeune garçon dès son jeune âge. » Si l'enfant est orienté dès son jeune âge, en l'absence des parents, il continuera à bien agir. La valeur apprise restera longtemps dans sa mémoire. Pourquoi, chers frères et sœurs, il faut instruire à l'enfant dès son jeune âge? Parce que, à cet âge, il est comme une cire molle, une plaque sensible. On peut lui donner la forme qu'on peut. Dès son jeune âge, apprends-lui à manger la bonne chose. Apprends-lui de bonnes choses. Instruire l'enfant dès son jeune âge revient à dire lui donner de bonnes habitudes dès son enfance. Au berceau, à la naissance. À cet égard, Maurice Thiers dit, c'est donc très tôt, dès le berceau, qu'il faut traiter l'enfant selon les normes sûres, que les parents doivent être eux-mêmes, connaître le respect et respecter l'enfant. Prenons un exemple pour être plus clair. Quand tu prends un enfant très jeune et puis tu commences à lui montrer qu'il faut se brosser les dents chaque matin, dès son réveil, quand il deviendra vieux, il ne cessera pas de garder cette bonne habitude. Prenons un autre exemple, un petit enfant avec qui ses parents prient le matin, le soir, aura comme habitude de prier le matin et le soir. Il se trouvera dans une lutte contre les valeurs qui lui ont été enseignées. Et c'est avec raison que Maurice Thiers affirme « Si l'éducation doit être soignée dans les premiers temps de l'existence de l'enfant, c'est parce que plus l'enfant est jeune, plus il est sensible et plus il est capable de contracter de bonnes habitudes. » La Bible dit que Moïse avait reçu une éducation chrétienne dès son enfance. En effet, dans Exode 2, versets 6 à 10, il dit «
que Moïse avait été mis sur le fleuve dans une corbeille jusqu'au moment où une princesse égyptienne le trouva et le confia à Jochébed pour qu'elle l'allaite et le nourrisse. Entre-temps, j'imagine que la mère de Moïse en a profité pour l'instruire et lui donner de bonnes habitudes. C'est pourquoi Moïse ne se laissait pas influencer par l'idolâtrie et la sorcellerie qui se pratiquaient dans la cour royale. Frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers parents, chers enfants, vous avez pour devoir d'écrire. Et chers enfants, vous avez pour devoir d'écouter, d'obéir à vos parents. Nous vivons dans un monde où la corruption, l'alcool, la fornication, la violence, l'égoïsme et la drogue sont à l'ordre du jour. En témoigne la légalisation du cannabis et de la marijuana pour le mois de juillet 2018. Si nous ne faisons rien pour protéger nos enfants, ils sont voués à la perdition, chers frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien, Proverbe 22, verset 6, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Salomon nous demande d'être proactif, d'agir en amont et non en aval, de faire la prévention, car prévenir vaut mieux que guérir. Le verset dit « Instruis le jeune garçon selon la voie qu'il doit suivre. » L'ordre est donné à qui l'auteur s'adresse, l'ordre. Il n'y a pas de doute, chers frères et sœurs, le verset s'adresse directement à vous, parents. Il adresse aussi aux enseignants et à tous ceux et celles qui sont en autorité auprès des enfants. À tous ceux et celles qui sont en autorité auprès des jeunes. Évidemment, les parents ont une grande responsabilité à l'endroit de leurs enfants. Dans le livre d'éducation, la servante du Seigneur nous dit que les parents devraient posséder dans leur cœur les préceptes divins avant de pouvoir les enseigner à leurs enfants. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, nous dit l'Écriture en Deutéronome 6, les versets 6 et 7. Dans le livre Éducation à la page 191, par l'exemple de Dieu, Abraham, Dieu a dit à Abraham d'enseigner sa parole à ses enfants. Dieu a choisi Abraham pour qu'il éduque les enfants. Il le choisit pour être le père d'une nation, avec l'assurance qu'il instruirait ses enfants et sa maison dans les principes de la loi divine. Oh, chers parents, nous avons une lourde tâche dans ce monde où nous vivons aujourd'hui. Alors que le ministère de l'Éducation du Québec oblige les écoles primaires et secondaires dès l'an prochain à donner une formation sur l'éducation sexuelle à tous les élèves, nous pouvons comprendre aujourd'hui les raisons pour lesquelles que les parents doivent être vigilants avec
les contenus de l'éducation que donne la société pour nos enfants. Le texte dit, le jeune homme doit être enseigné par les parents dans la voie qu'il doit suivre. Quand même il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Frères et sœurs, il convient de remarquer que les parents sont des orienteurs. Des orienteurs et des guides pour leurs enfants. L'exemple des parents est primordial. Un parent qui apprend à dire des propos malhonnêtes envers quelqu'un devant son enfant, c'est un parent qui n'éduque pas son enfant. Un parent qui critique la parole de Dieu après avoir l'écouté à l'église, à la maison, devant son enfant, c'est un parent qui n'éduque pas son enfant. L'enfant ne va pas avoir du respect pour la parole de Dieu. Un parent qui a quelque chose à dire qui ne concerne pas l'enfant, qu'il prononce devant l'enfant sans tenir compte que l'enfant a des oreilles pour entendre, il fait du tort à son enfant. Ça fait mal au cœur quand les parents viennent, soit dans la société ou à l'église. C'est à ce moment-là qu'il commence à éduquer son enfant. Assis-toi là, fais pas ça. Ça ne se fait pas en société, chers parents. Ça se fait à la maison. La Bible nous donne des parents qui étaient bons exemples pour leurs enfants. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Roi 9, verset 4. 1 Roi 9 et le verset 4. Nous pouvons mentionner David. Quelqu'un peut le lire pour moi? 1 Roi 9, verset 4. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Amen. Il y a une condition, chers frères et sœurs, quand vous avez un enfant en votre possession. C'est un être de Dieu que vous avez en votre possession. Vous faites du tort à l'enfant sans le savoir. Vous vous comportez mal à votre voisin. Vous vous comportez mal avec votre prochain. Vous vous comportez mal dans la société dans laquelle vous vivez. Il vous arrive des problèmes, des aventures malhonnêtes et vous avez réagi malhonnêtement ou vous avez pris votre défense. Vous arrivez à la maison, vous racontez ça à votre mari, l'enfant est là. La parole de Dieu nous dit, si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, selon le texte, l'Éternel dit que David donnait de bons exemples à ses enfants. Nous, en tant que parents, nous devrions donner de bons exemples à nos enfants. Nous avons pour devoir d'agir d'une façon agréable devant nos enfants. Agir malhonnêtement devant nos enfants, c'est de ne pas les respecter. C'est qu'il faut à ne pas avoir du respect pour nos enfants. Nous pouvons regarder dans un autre texte, dans 2 Chroniques 17, versets 3 et 4. 2 Chroniques 17, versets 3 et 4.
Avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne chercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Contrairement à ce qu'il faisait Israël. Aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, Dieu nous invite à faire quelque chose, à mettre de côté les mauvaises habitudes que nous avions dans le passé vis-à-vis de nos enfants. Si nous marchons droit devant l'Éternel nous aidera à instruire nos enfants comme cela est bon. Le Dieu de son père, il chercha au contraire le Dieu de son père et suivit ses commandements contrairement à ce qu'il faisait Israël. Contrairement à ce qu'il faisait le Québec, contrairement à ce que fait le Canada, le Montréal. Nous pensons à cette fin d'année qui arrive à grands pas sur nos routes. Où tout le monde cherche à plaire à l'autre. Il faut que j'achète un cadeau pour lui. Il faut que j'achète une petite bidule pour lui faire, pour lui rendre heureux, pour lui faire content. Oh, chers frères et sœurs, nous devrions être différent vis-à-vis ce que nous vivons dans le pays. Nous devrions attacher plus d'importance à l'éducation, à la formation de nos enfants. Nous avons un autre texte dans 2 Chroniques 26, verset 4, qu'un autre personnage qui arrache droit devant l'Éternel. 2 Chroniques 26, verset 4. On peut lire fort pour l'Assemblée. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Oui, chers frères et sœurs, si nous agissons bien aux yeux de l'Éternel, nous ne recherchons pas ce que le monde cherche. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas nous conformer à la société. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Nous devons donner de bons exemples pour nos enfants, notre famille. Ainsi, nous pourrons dire que nous appliquions le texte du Proverbe 22, verset 6. Le texte nous fait remarquer également qu'il y a deux étapes, jeune et vieux. Le moment idéal pour orienter un jeune, c'est au début de sa vie. Et quand on devient vieux, on est mûr. Je me rappelle qu'on disait, on ne peut pas redresser un arbre crochu. Un arbre qui est fini de prendre une forme proche, on ne peut pas le redresser. C'est la même chose pour un enfant, chers frères et sœurs. Pendant qu'il est jeune, on l'éduque. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir dans votre, sur votre route, on plante des arbres, des arbustes,
et puis on met un poteau avec une corde là-dessus qui est droit. Ce n'est pas pour rien. À un moment de la durée, quand l'arbre commence à prendre forme droite, comme on veut que l'arbre grandisse, on enlève la corde, on enlève le guide pour l'arbre. C'est ainsi que Dieu veut que nous fassions pour nos enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et devenu grand, il n'en s'adaptera. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. L'Éternel nous considère comme des enfants. Et en tant que tels, nous avons tous besoin d'être orientés, d'être guidés par la parole de Dieu. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Et plus on se laisse instruire et guider par la parole de Dieu, plus on devient mûr et vieux dans la course chrétienne. Si nous n'avons rien en tant qu'enfants de Dieu dans nous, si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, si nous ne sommes pas enrichis de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas donner la parole de Dieu aux enfants. Nous allons acheter des bidules, nous allons acheter des téléphones, nous allons acheter des tablettes pour les enfants. Mais ça ne les grandira, ça ne les aidera pas à grandir dans la crainte de Dieu. Au contraire. On va dire, oui, c'est à la mode, il faut que l'enfant soit développé, il faut que la technologie, il connaisse la technologie. Bien. Mais Dieu qui est le maître de la technologie a beaucoup plus de choses à donner à l'enfant. Si vous l'aidez à un enfant d'avoir la crainte de Dieu. On est prêt à faire face aux adversités du combat si nous sommes vraiment enclenchés dans la parole de Dieu avec nos enfants. On devient fort et persévérant. La Bible nous raconte l'histoire de Joseph qui pouvait dire non à la femme de Potiphar qui l'harcelait quotidiennement. C'est parce que Joseph avait reçu une bonne orientation dès son jeune âge. Si vous laissez de côté les bons livres spirituels, les réunions du mercredi soir, sous prétexte que ça finit trop tard, l'étude de la leçon de l'école du sabbat, ça fait pitié, chers frères et sœurs, pour les enfants. Les parents viennent à l'école du sabbat, c'est à ce moment-là qu'ils posent des questions qui ne se trouvent même pas dans la leçon. Et c'est ardu pour le moniteur de répondre. Il ne veut pas faire honte à la personne. Parce qu'ils n'ont pas étudié l'école du sabbat. On donne un questionnaire à l'enfant, au jeune. Il l'a oublié à la maison. Les parents sortent avec l'enfant pour venir à l'église. L'enfant vient avec ses deux mains. Où est ton tapis? Oh, je l'ai oublié. Où est ton questionnaire? Je l'ai oublié aussi. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On va faire des enfants forts pour le royaume des cieux, chers frères et sœurs. Nous, en tant que parents, nous avons la difficulté d'absorber la parole de Dieu. Comment veut ingurgiter la parole de Dieu dans l'enfant? Nous ouvrons notre télévision pour écouter n'importe quel feuilleton. Nous avons du temps, nous connaissons pertinemment à quelle heure tel feuilleton est donné. L'enfant est là. Oh, mamie, t'as pas oublié. Fais de la joie. Fais de l'amour. Vous avez oublié ça. Il connaît séquentiellement comment passent les affaires. Telle heure, c'est telle chose. Mais l'heure où vous priez, il ne connaît pas.
chers parents, soyons sérieux pour l'année 2018 qui arrive. Prenons l'engagement. Faites du bien à nous-mêmes et à nos enfants. Amen. Dieu nous demandera compte de ce petit être. Dans la société où nous vivons, nous avons besoin des enfants de lumière, comme Dieu nous a demandé de le faire. Vous n'aurez pas à vous noircir ou à vous rougir quand vous serez devant Dieu. Vous allez au ciel, où est-ce que l'enfant va? Je me rappelle d'un enfant à Bethesda qui avait dit à Pasteur Ner, je ne vais pas au ciel. Pasteur Ner a dit, mais pourquoi tu ne veux pas aller au ciel? Il dit, parce que mon papa va au ciel. Je ne veux pas traduire trop. Vous avez compris, chers frères et sœurs? L'enfant déteste son père tellement, il ne veut pas être à la même place que son père au ciel. Parce que là, son père lui fait de la vie dure à la maison. C'est grave, chers parents. Vous vous comportez d'une façon, vous ne pensez pas que ça peut vous suivre jusqu'à l'âge adulte de l'enfant. Demain, vous demandez pourquoi l'enfant ne veut pas aller à l'église. Ce n'est pas à cause de moi. Certes, ce n'est pas à cause de moi. Réfléchissez. Il faut apprendre avant d'enseigner, chers frères et sœurs. Le culte de famille, c'est un moyen très, très efficace pour garder l'enfant au pied de la croix. Le club des explorateurs, des aventuriers, c'est un moyen aussi pour garder l'enfant à aimer Dieu durant son jeune âge. En tant que directeur des explorateurs auprès de la Fédération, j'ai le cœur qui me fait mal de voir mon église ne peut pas avoir un club d'explorateurs. J'ai compris qu'on a des difficultés avec le moyen qu'on a pour adorer. La bâtisse ne nous appartient pas. J'en dis combien. Mais on peut faire des efforts. Dans le passé, il y en a qui avaient fait des efforts. J'ai donné la formation des moniteurs à beaucoup de parents. Il y en a qui sont chefs guides, mais qui disent, mais qui ne pratiquent pas. Ils sont ici. Il faut trouver un moyen, il faut foncer, chers frères et sœurs, parce que l'éducation des enfants, c'est notre devoir. Frères et sœurs, chers parents, votre tâche est immense. Et si vous prenez votre travail à cœur, vous pourrez dire, quand Jésus apparaîtra, me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage à Montréal de la part de l'Éternel des armées. Nous pouvons dire que l'Éternel, tu m'avais confié un bien, le voici maintenant. Et ce sera très fier pour Dieu et pour nous autres aussi, chers frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse en ce sens. Amen.